Là, on va voir. Non, il arrive, vous voyez, il rebloque au même stade. Au moment de passer le niveau. Ah, c'est pas très stable. Il enchaîne les jeux sur quoi? Une chaise en bois, c'est pas très fini. Monsieur Strode. Vous m'aviez manqué. Bon, ça y est, c'est fini. Donc là, c'est bon. Ah, il enchaîne les jeux sur un grippin. Ça vire au drame. Ouais, j'ai encore des petits lags, mais... C'est pas trop mal. Alors comme j'ai coupé le son du jeu, enfin comme j'ai coupé la musique du jeu, c'est pas très passionnant. Hein. Bon, ça va, il y a que Monsieur Fraude et Monsieur Drius. Drut. Je peux jamais convaincre prononcer ton pseudo. Y a pas grand monde quoi. T'es toujours là? Ouais. Ouais, bah, je sais pas, tu parlais plus. Non, je regardais, je... Non, ça roule nickel. Non, bah si le stream est propre, c'est bon. C'est le principal. Ouais, on digère le foot. En parlant de digestion, on va peut-être falloir que je pense à grailler un de ces quatre, ouais. Ouais, pareil. Ah bah ça, oui, des vendredis comme ça... Moi, je valide 2 heures de boulot à regarder le match, hein. Mon boss il m'a dit t'arrêtes ce que tu fais, on va voir le match. Ok. Je devais rattraper 1 heure, bah je l'ai rattrapé, merci. La matinée à courir dans l'atelier, ensuite c'était si on a enfin eu les trucs, quand c'est trop le bordel en open space, on a demandé à avoir des boucles d'oreilles, ils nous ont fait des empreintes pour les bouchons d'oreilles sur mesure. Ça c'est cool, ça. Ça c'est sympa, hein. Mais l'open space, comment ça se fait qu'il y a autant de bordel? Ça dépend. Bah, le truc c'est que bah, bureau méca, bureau élec, mais dès que tu as les chefs de projet qui viennent. Puis de toute façon, bureau méca, c'est un peu le bureau des pleurs. Hein. Dès qu'il y a un truc qui n'arrive pas à visser, hey, ça passe pas dans le trou. Bah, mais en même temps, t'essaies de mettre une vis de 8 dans un trou de 6, donc forcément. Sérieux, il y a des mecs en méca qui en sont là? Oh, mais c'est déjà arrivé une fois un truc comme ça. Un mec de l'atelier, ça rentre pas. Bah oui, bah, regarde ta taille de vis par rapport au trou. Sérieusement, quoi, les gars, il y a un moment. Ah, il y a du génie, hein. Ah ouais, non, mais désespérant, des fois. Ah ouais, tu sais qu'une fois ils ont réussi à tomber à court le soubassement. On monte des colonnes électriques. Les soubassements, c'est le premier truc qu'on met. Eh ben, Et les c'est... gars, la gestion des stocks, ça vous dit quelque chose ou... Ah oui, alors le boss de Death Road aussi, il est pas mal. Ah bah nous, c'est ça, bah, les chefs de projet, ils arrivent, ils viennent discuter avec un, et puis d'un coup, c'est gros bordel. Tout le monde discute partout. Alors, comme en ce moment, en plus, c'est la Coupe du Monde, tout le monde discute pronostic. Donc, du coup, c'est très très vite le bordel. Ah mais le boss de Monsieur Strode a la particularité d'être spécialement con. D'ailleurs, Monsieur Strode, t'as fait quelque chose pour l'ultime Décathlon 6 ou t'es en roue libre?
Ouais, roue libre. T'as commencé quelque chose de ton côté ou tu fais juste plus de run en ce moment? D'ailleurs, Erwan, t'as rien commencé sur Zelda? Non, je m'étais un peu entraîné, mais sans forcément prendre le temps, regarder un peu de stream et comment dire, et faire deux trois trucs T'as essayé un peu pendant l'été? juste T'as essayé un peu quoi? ouais. Bah de toute façon la première étape dans une dans un speedrun c'est merde. C'est le route c'est d'apprendre le routing et déjà appre juste apprendre le routing. J'avais Bah lâché déjà le truc. j'essayais parce que c'est vrai que cette partie-là, ce jeu, je l'ai même fait pas mal de fois. C'était plus les déplacements en diagonale et essayer de savoir connaître les placements des monstres sur les premiers trucs. Plutôt qu'essayer tout d'apprendre d'un coup, j'ai fait jusqu'au premier donjon deux, trois fois, histoire Ouais. d'avoir bien ça en tête pour enchaîner la suite, morceau par morceau. Oui, après ça dépend comment tu veux l'air. Oui, effectivement, Death Road, si t'arrives pas le Cracking Skull, CV, ça sert plus à grand chose. Enfin, Eye of Sorrow, parce que CV, on parle pas de celui à jante, mais... D'ailleurs, tu l'avais pas fait, Arwan, tu vois, Eye of Sorrow? Non, me dis rien. Attends. Ah merde, j'ai un appel. Je sais pas qui c'est. Ça laisse un message. Ouais, vas-y, prends. Non, c'est bon, c'était un 04 que je connaissais pas. Ça laisse pas un message. Je sais pas qui D'accord. c'est. Quand Wookie! je sais pas, je laisse un message. Ah, so. C'est Castlevania 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est Castlevania 4. Ah oui, non, bah. Non, bah, du coup, non. Je connais, mais j'ai jamais joué. Aucun Castlevania. Mais il me semble que t'as moyen de faire sub 40 sans la Cracking Skull. Hein. Bon, faut être balèze, mais. Ah bah ça les Metal Slug c'est particulier. Mais c'est cool les Metal Slug. Bah Erwan d'ailleurs, si tu veux t'y mettre, le premier il a l'ultime décathlon. Bah, c'est pas fou, en plus je viens de le prendre avec les sols. Bah c'est pour ça que je t'ai dit ça. Par contre, il n'y a pas de bon tuto sur la route actuelle. C'est le gros défaut du jeu, il n'y a aucun tuto dessus. Voilà, je vais voir, mais je t'avoue que avec les JDR qui vont arriver et une GN, va falloir que je trouve du temps. Plus les Oh, CO, je vais commencer à avoir pas mal de trucs là. Mais ouais, je pense à regarder. bah oui, Death Road, c'est compréhensible. Oui, si t'as envie de faire un jeu et que t'as pas la cracking. Bah après, la cracking skull, elle craque le jeu. Hein, donc, effectivement, si t'as pas envie de te faire chier à run un jeu en mode relou, alors que tu peux la faire facile avec la cracking. Parce que la cracking, ça rend le jeu plus rapide et plus facile, quoi. Enfin, comme dans beaucoup de speedruns, tout ce qui est plus rapide est généralement plus facile. Putain, j'étais passé quoi. Deux fois! Putain! Oh, ce niveau, des fois, j'ai du mal à me setup. Faut pas que je choque sur le vin. Bah t'as raison de pas te faire chier. Tu devrais peut-être essayer Cuphead Dead parce que la run est assez facile. Ah oui, d'ailleurs, je ne me suis pas pris encore que tel. C'est un peu ma faute aussi. J'avais dit que je te le paierais pour ton anif, c'est toujours pas fait. Et comme j'ai un peu oublié pendant les soldes de Steam évidemment. Oh là, de toute façon, putain, ouais, il va falloir finir. Ouais, je passe mon temps. C'est où du coup? Et j'ai pris plein de jeux à faire en casu. Et... C'est surtout qu'au mois de septembre, bah, j'ai Dragon Quest et celui-là, c'est sûr que Volgar sans les upgrades, best jeu ever. Je sais pas si tu connais ce jeu-là, Aaron, Volgar the Viking. de visu. Parce qu'il est bien hardcore. La run est assez horrible. Ah mais si, je crois que chez toi, j'ai déjà vu, on a déjà regardé les streams chez toi. Possible. Si, si. C'est pour ça que le nom me disait quelque chose.
Ah, XCOM 2, mauvais choix. Très mauvais choix. C'est l'infinitisation d'un jeu, ça. Quand une fois que t'as commencé, tu vas plus jamais t'arrêter, monsieur Frode. Merde, pardon. Bon, là, il va peut-être falloir que je me concentre un minimum sur le vin. Là, je les avais pas vus encore ces niveaux-là. Le rouge ralenti ou t'avertis? Le rouge, au bout d'un moment, il te fait exploser. Ah oui. Et en fait, pour éviter d'exploser, faut prendre le truc vert. Les plaques ou les lignes? Les plaques. Bon! C'est un assez propre record du monde. Ça va tranquille en petit stream là, pour test. C'est facile de record du monde quand on est tout seul, quand on va être tout seul à soumettre au leaderboard, mais au moins la run est relativement propre. Bon, j'ai encore une bonne quarantaine de secondes à gratter, mais à minima elle est propre. Donc c'est cool. Je vais garder celle-ci. Je vais la highlight plus tard. On va aller faire des niveaux rigolos.